KS Bloom Otogo. Ouais. Bref, l'artiste rappeur gospel ivoirien fait face à une polémique qui enflamme la toile liée à une affaire de vol après son séjour au Togo. Attention, que s'est réellement passé? En tout cas, prenez place, asseyez-vous et restez juste avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo. Nous allons tout vous expliquer. Générique. Wesh, salut la famille, comment allez-vous? Nous espérons que vous portez bien. Bref, vous êtes tous la bienvenue sur votre chaîne Nouvelle des Stars, entièrement basée sur les artistes et l'actualité du showbiz. Sur ce, si c'est votre première fois de visiter notre chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne même pas rater aucune de nos prochaines publications. Let's go! Tout récemment, KS Bloom a fait un tour au Togo, principalement à Lomé. Dans le cadre concert SS Love de la chanteuse nigériane Mercy Shingo. Du coup, le concert s'est tenu le dimanche 12 mars au stade Omnisport de Lomé. Bah, à son arrivée, il aura sûrement besoin d'un logement, voilà. Donc, c'est suite à ça que KS Bloom a décidé de trouver une place à l'hôtel dès février. Soit disant, c'est là qu'il a été logé. Donc, quand KS Bloom a quitté l'hôtel pour sa prestation au stade Omnisport du Togo, il a emporté la serviette de l'hôtel. Donc, c'est ce genre de KS Bloom qui a fait railler la page Facebook Les Stars du Togo en laissant ceci. KS Bloom a volé serviette de notre hôtel du 2 février. Dites-le de ramener notre serviette avant de partir. On ne peut emporter les choses de l'hôtel ou sortir de l'hôtel avec les choses de l'hôtel. Mais pour attirer l'attention de chacun, Les Stars du Togo republie sur la page en laissant ceci. C'est juste pour rire. On ne se fâche pas. Avant d'ajouter que cette sortie n'est aucunement une accusation de vol, mais plutôt une blague. Bref, pour rendre les choses au plus clair, ceux-ci rentrent en détail en nous faisant savoir qu'il est impossible pour une star comme KS Bloom de voler une petite serviette. Pour on voit quand même que cette première phrase est bête, donc ceux qui prennent la phrase au premier degré sont aussi bêtes comme la phrase. Peu que la phrase comme dites-lui de ramener la serviette avant de partir dit clairement que c'est une blague pour rire. Wesh la famille, nous sommes juste à la fin de cette vidéo. Alors si vous avez aimé, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu pour liker la vidéo et de vous abonner en activant la cloche de notification pour surtout ne rien rater sur nos prochaines publications. On se dit à la prochaine. Ciao.